Normal rap bench line en bleu bleu. On est là et toi mon gars? Je me pars. You speak English? Yeah. Do you want to speak English with me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Rap Punchline. C'est le retour des inside, des immersions. Aujourd'hui, on est avec un groupe qui a annoncé sa réédition. C'est la 4QS, la Courneuve, le 93, vous connaissez déjà. Et aujourd'hui, justement, on est sur un clip de cette réédition, un featuring avec Ornette La Frappe. Restez bien branchés, suivez-nous. On est sur Rap Punchline, c'est parti. Et comment Jeffy, ça va? Il faut savoir un truc sur Jeffy, il kiffe les interviews. Ouais, c'est mortel les interviews, tu peux bien t'exprimer, tu te lâches. Et souvent ça finit sur Twitter, on va pas se mentir. C'est pas grave, tant que ça monte, les gens ils écoutent l'album Vie d'artiste. Réédition bientôt disponible le 30 octobre, c'est léger. Sur cette réédition, HK c'est le seul mec qui a annoncé la réédition pour la promo du projet. Tu veux me dire quelque chose ou pas? Je connais, il n'y avait pas assez de sons. On avait fait 14 sons, il y en avait deux. Il y en avait deux, ils étaient déjà sortis, c'est-à-dire qu'il y avait 12 sons. Obligé de m'annoncer une réédition pour les fans, tu connais. Chaco, c'est comment? On est là et toi, mon gars? Je pars. J'attends le 5. Moi, il y a des vidéos, t'as vu Proto, il met dans sa story tout ça. Moi, je suis là. Ciao, moi. Tais-toi. Je sais pas, je compte toi. Je peux pas te donner l'heure. Moi, je connais un mec qui a joué avec lui. Il s'appelle Jason Mukulu. Il sait, frère. Frère, mais il sait pour moi aussi. Lui, j'ai un as, moi, je veux. Il sait pour moi aussi. T'es en dessous, tu connais. Et HK, moi, j'ai vu une vidéo 5 aussi d'HK. Ah. Tranquille. Ça va, moi, je devais signer à Real Valladolid, mais je me suis fait les croiser, tu connais. Non, frère, c'est pas ça, c'est Sociedad, frère. Ah ouais. La Real Sociedad. Au jour d'aujourd'hui, je serai sur le terrain avec Rodrigo et Vinicius. Et là, t'es sur le terrain pour le clip avec Ornette. Je veux que tu m'expliques un petit peu là ce qui va arriver aujourd'hui. Tu connais, hein, on a clippé avec Ornette, tu vois, un petit clip Sportback, tu vois, on parle de voiture, ça veut dire, tu vois, c'est sûr, il y aura des voitures. Est-ce que t'as le permis? Tu connais, hein? T'as le permis? C'est pas ça. Tu connais, mais, hein? Non, tranquille, on est tranquille. Là, je connais. Ouais, c'est bien, Chaco, t'as le permis? Hein? T'as le permis? Hein? Ok, donc c'est un clip Sportback, il y aura des voitures, les gars, mais vas-y, merci HK. Ornette, comment tu vas? Ça va, tout doux, hein, tranquille. Hein. On se retrouve, on est souvent dans les coulisses. Hein. Ouais, bah ouais, bah c'est que ça, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Là, on est avec la 4QS pour un gros clip, donc t'es présent sur la réédition. J'aimerais que tu me parles un petit peu comment s'est faite la connexion, c'est connexion 9-3. Mais comment tu les as rencontrés? Comment il s'est fait ce morceau-là? Bah déjà, je connaissais déjà leur travail, tu vois. On est du même secteur, j'aime bien ce qu'ils font, tu vois, ça me parle, il y a de la mélodie. Et après voilà, je pense que c'était une route qui devait se croiser, on va dire. Et après on a des amis en commun aussi, tu vois. C'est la connexion 9-3. Ouais, voilà. Après, hein, on travaille pour, tu vois, et on se prend la tête. Après nous on aime bien les bons résultats, entre guillemets, faut que le son il sorte du studio, il nous plaise avant tout, tu vois. Donc là c'est le cas, on est content, on le clip. Hein. Là je vais te suivre toute la journée. Est-ce que tu es prêt à avoir des... Bon, tu connais déjà, mais là on va essayer d'avoir des petites réactions à chaud. De voir qu'on a parlé un petit peu avec ta styliste, on voit un petit peu tout ce qu'elle t'a ramené. Là, c'est coloré. Elle nous disait qu'en ce moment, t'aimais bien tester des petites choses. Ornette, il peut pas mettre des pièces beaucoup trop hype, tu vois. On peut pas le voir dans des trucs. J'ai ramené un pantalon en cuir, tu vois, parce qu'on sait jamais. Mais c'est difficile, c'est aussi de pouvoir le sortir de sa zone de confort. Donc, je prends des pièces parfois qui sont un petit peu trop extravagantes. Mais je me rends compte au fur et à mesure que Ornette il est prêt à tenter des trucs un petit peu foufou. Donc là on va voir aujourd'hui justement avec les pièces que j'ai prises là. Moi tu sais quoi, je lui fais confiance, je lui dis tu vois vas-y hein, teste. Parce que généralement je m'habille tout seul tu vois. Donc là j'ai essayé de ramener une styliste histoire de changer un peu de, tu vois, ramener de la couleur, ramener des trucs que j'ose pas on va dire. Mais qui me ressemblent aussi. Donc voilà, ça va le faire. Il y a du choix, hein. Bon il y a des bobs, ils sont claqués mais bon ça va. Tu vois il y a du... Pas trop bob Ornette. Non. Tranquille, je laisse ça graduer. L'homme au bob. Téléphone, les clips s'enchaînent, qu'est-ce qui se passe? On est dedans. Bah là, on est ici pour... parce que moi, je filme toutes les coulisses, en fait,
de la préparation de leur projet, de la préparation de la réédition et maintenant des coulisses du clip. Le gros documentaire qui a été sorti, c'est bien documentaire. Toi, mais... C'est moi qui l'ai réalisé. Voilà, donc c'était un documentaire qui nous dévoilait toutes les coulisses, toute la préparation de l'album Vie d'artiste. C'était une sorte d'œuvre un petit peu complémentaire en fait. J'ai essayé, tu vois, que ça s'ajoute à l'album, que si tu n'as pas écouté l'album, tu puisses l'écouter d'une autre façon. Et que si tu ne l'as pas écouté, bah, ça te donne justement envie de l'écouter. Montrer en fait tout le travail qu'ils ont effectué pour cet album. Ah, tu connais, hein. Julien m'a mis un petit tie-end en haut avec le survêt qui va avec. T'as vu ? À la base, j'ai pas la veste. À la base, je suis comme ça. Au début, ils sont tous en tie-and-dye, donc plusieurs couleurs. T'as HK qui est en mode un peu rose, etc. Bene qui est en bleu et Tiako qui est en noir et blanc. Jeffy, c'est la street, donc lui, c'est Miral Floren, bas bleu, mais tu connais. On a décidé de mettre de la couleur. De mettre un peu de Miral Floren. Eh, une copie, hein. La petite. Moi, ma doudoune, elle est là-bas. Regardez. Eh, ouais, les gars, juste. Moi, j'arrête ça. C'est toi, t'as vu, j'allais mettre ça. Les gars. Ouais, comment il lâche quoi. Ouais, c'est toi, c'est lui, il a vu, j'allais mettre ça, il a dit, vas-y, je vais mettre une veste blanche aujourd'hui. Arrête, j'ai mis mon petit manteau, t'as vu. Pourquoi c'est pas voilà. Ouais, bah oui. Ouais. Encore le même, ça c'est ouais, toujours le même. T'as vu quand même. Là, on parle de Flo, regardez, il y a Jeffy, il y a Tiako. Et yeah. C'est comment là bah, Jeffy, l'a mis. Potano, il est Black Potter, Zen. Yeah, it's a bell man. Bell man. Pas C'est pas hé. C'est Balmain. Expliquez-nous pourquoi cette musique. Parce que. On a décidé de. De mettre de la couleur. De mettre un peu de rough fluid. You speak English? Yeah. Do you want to speak English with me? What the tuning? It's a. Tu pas de rough tuning. Vas-y, t'es fort. It's a. J'ai dit rough tuning. Rough Lauren. And sweet rough Lauren. Rough Lauren. Jacket. Yes. Jacket rough Lauren. You're from Brooklyn, Jeffy. No, yeah. Harlem. Oh, sorry. Yeah. Harlem, comme à Saproki, ma gueule. Atlanta. Yes? Yeah. Yeah, it's a mini U-turn. I got you. Tu se passe comment? Détente, hein? Oh, tu connais ça. Voilà. On rigole avec Henri. Oh, Stevie. TV. Hey, Bene. Tweet. Focus, man. How are you, Bene? Yeah, man. The stick is good. Yeah. Oh my God. Oh my God. Focus. Alors Bene, comment ça va depuis VDA, depuis la sortie? Ça va. Good. J'ai du bizarre. Est-ce que. Non, explique-moi un petit peu cet avant-clip, est-ce que t'es prêt, est-ce que t'es chaud? On est super prêt, man. Oui. On est super prêt. On est équipé, on est beau gosse, stylé. Et voilà, on va foutre le feu. Sport back. On a fait la première scène, léger. Maintenant, il y aura la scène avec les figurantes. Et. Ouais, j'ai pris deux canettes. Et nous, on va les changer. Tu connais, on va faire la scène avec les caisses, tout ça. Sport back, on est obligé. On va faire les pièces. Moi, pour moi, c'est. Moi, il est dans le top 3 pour moi. Ouais, tu dois être deuxième, comme ça. C'est quoi ton petit top 3 de la réalisation? Moi, je vais te dire saisie premier, saisie l'outro. Je vais mettre sport back. Et troisième, avec Landy, je crois. Avec Landy, Amour et Street. Ouais, t'as écouté des exclus. Tu dis pas tout. Tu dis pas tout. HK, il sait très bien. J'adore les exclus. Ah, tu dis pas tout. On dit pas, mais là, est-ce qu'il y a un petit délire Il y a un petit. On a fait des duos, t'as capté. Oh, je suis pas. Voilà. Avec Tiako. Moi avec Tiako. Et Bene, la France avec Jeffy. Okay. Donc voilà, c'était une volonté de votre part aussi. C'est... Ouais, on a voulu essayer, tu vois. On a fait. Vous les rappez plus longtemps sur des instrus. Si je me trompe pas, d'après. Mes petites infos, vas-y, dis-moi.
une grosse partie d'HK, une grosse partie de Tchako sans refrain. Sans refrain. C'est bagarré sur l'instru. Il m'a dit, je vais t'expliquer ce qu'il m'a dit. Il m'a envoyé l'instru. Ouais. Il m'a dit, dis-moi. Viens, on se bagarre sur l'instru. On met pas de refrain. C'est lui-même, il m'a dit, j'ai dit. Et même s'ils avaient du mal. Ah ouais, tu connais déjà les paroles. Non, ça y est, moi je parle tout. Non, mais en tout cas, ça y est, t'as déjà les. Voilà, vous savez qu'il y a des... un petit délire qui arrive. Ah, tu connais. Ah, regardez, avec une... Alors, monsieur Aruna, ça fait des années qu'il est là. Comment ça va, Aruna? Ça va et toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, ça fait très longtemps. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, tout se passe bien. Partagé. Ouais. Faites que Split. Ça bosse. Hornet. Hornet. Comment tu sens d'ailleurs? Comment tu sens ce son avec Hornet sur la réédition? Très bien. Bien. C'est pour ça qu'on le clip. Hein. C'est vrai que c'est. Pas bon. Je suis confiant pour la sortie. Hein. De toute façon. L'album va être disque d'or bientôt. Disque d'or, donc là, l'objectif, c'est de pousser encore, de pousser. Hein. Après, il n'y a pas de limite, hein. on pousse. Mais en tout cas, la réédition, tu la sens bien. Ouais, je la sens bien. Qui dit artiste, dit équipe, dit management, on est en direct avec les managers de la 4QS. Voilà. Matsu. Oui. Bye. C'est ça. Toujours là, les hommes de l'ombre, mais très très important, il faut le rappeler. Ouais. Expliquez-nous un petit peu là, comment ça se passe aujourd'hui au niveau du clip. Est-ce que déjà, vous êtes content de ce qui se passe en ce moment? Ouais, très content. On a reçu un beau synopsis de Chris. Franchement, le clip, il va être lourd. Là, il y a deux clips qui devraient arriver ou pas après celui d'Hornet? Ouais. À la sortie aussi. À la sortie de l'album. Très grande surprise, okay. Le 30 octobre. Restez branchés, hein, attention, le 30 octobre. N'oubliez pas. Et le chanteur, le danseur. On voit Tchako Yagen. C'est un menteur, il kiffe la danse. Tu kiffes la danse, Tchako? Ouais, je kiffe la danse, mon gars. Bon, on danse pas assez. Après, il y a HK dans le groupe. Hein. Il y a HK dans le groupe, c'est dur. Hein. Explique-moi un petit peu comment ça se passe. Est-ce que là, tu es satisfait de cette journée? Ça va bien, ça se passe bien. Hornet, c'est carré. Le feeling, il se passe bien. Tout ça, c'est bien. L'ambiance, elle est bonne. C'est bon, tu veux de l'ambiance? Hein? L'ambiance est bonne? Ouais, bah oui, t'es sûr. Bon, est-ce que tu as une petite réaction aussi par rapport au terme musical? Qu'est-ce que toi, tu as kiffé poser sur ce morceau? Comment il s'est fait? Je crois que c'est un de vos préférés, lui. Hein. Ouais, comment tu es? Parce que je sais tout. Non, c'est quelqu'un qui t'a dit. Excuse-moi d'avoir des petites infos. C'était une volonté aussi de clipper ce son avec Hornet. Ouais, parce que c'est le son qu'ils ont préféré, c'est le son qui a été mieux fait en groupe. J'ai eu cette info. Au début, quand j'écoutais, je l'ai normal. Après, ça, fort, j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Ouais. Et dans cette réédition, HKN nous a donné son top 3. Ouais. C'est l'un de mes préférés, Charbon. Parce que j'ai vu, tu l'as teasé. Hein, ouais, c'est vas-y. Même si ça avait du mal. J'ai vu, tu l'as teasé. C'est une couleur différente de ce qu'on fait, de ce que je fais, moi, en tout cas. Je suis parti dans le registre d'Aska, c'est-à-dire après j'ai aimé. Après il y a quoi encore? Il y a le 5 Landier si j'aime bien. Ouais. Et c'est mes 3 favoris. Mais vous étiez bien là, vous étiez tous bien. C'est juste HK, comme t'es un peu plus grand, ça t'a coupé la tête direct. Ah ouais? Peut-être ça arrive. Le Chris Brown de la Courneuve. Ah ouais, tu sais que j'aime bien dire ça en plus. Arrête, wesh. Franchement, ça se passe bien avec Chris Macari à l'AREA. Hornet, OP. Ça se passe bien, ça se passe bien. Comme je te disais quand on s'était vu pour VDA, j'ai l'impression que t'as trouvé ton délire. Ouais, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. En mode trap soul, comme c'était trap appelé soul, d'ailleurs ton solo. Ouais. On reste street, tu vois. Toujours. Toujours. Toujours, toujours. Et est-ce que tu continues à travailler sur une recherche musicale? Parce que comme je te disais, j'ai l'impression que tu te trouves bien. Mais est-ce que toi aussi tu continues et tu essaies de faire un petit peu tout aussi? Ouais, mais je sais ce que je dois faire. T'as capté, tu dois faire. Je me suis trouvé. Là. On va dire ça comme ça, je me suis trouvé, vas-y. On va partir sur cette lancée-là, direct. Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces voitures? Voilà, on va faire un petit playback, tu connais, hein, normal, hein, esthétique, Audi, le son il s'appelle Sportback, logique. T'es un mec qui aime bien les voitures? Comme tout le monde, je pense. Hein. C'est bien de se sentir dans une bonne voiture. Ouais. Ah, t'es en train de gêner, en fait. T'es en train de niquer le clip. C'est un peu le problème. On a un peu niqué le tournage, mais on revient te voir. Non, normal, jamais. Vous êtes là, c'est un média, ça donne de la force, ça fait toujours plaisir. Normal, rap, punchline, en bleu. Alors, ça se passe là les... Je pense que ça se passe, hein, t'as vu. 3 Audi. On est là. C'est à toi. Non, c'est pas moi. Hein. C'est des locks. Ah, je rigole, je te taquine. Tu me disais que tu kiffais bien en plus les voitures.
Ouais, bah comme tout le monde, après je suis pas un passionné de tuning, tu vois. C'est pas un mec qui regarde Pop My Ride, c'est pas tant ça. Je suis pas un passionné de tuning, mais tu connais, on aime toujours être dans une bonne voiture, ça fait toujours plaisir. Et là c'est le thème en plus, Sportback. Sportback, ouais. Voilà. Mais en vrai c'est pas... Ouais c'est le thème, mais on... Entre guillemets, c'est un mec un peu, tu sais, dans sa matrix, au bord d'une voiture. En vrai, tu peux être même dans une Sportback, dans un Clio, t'as capté. C'était juste l'ambiance que vous voulez mettre, tu vois. Voiture, ouais. Mais ça fait chelou le son de le rappeler Clio. T'imagines ou pas? T'imagines? 4 queues, Tornet, Clio. En vrai, ça tue. Moi, j'aurais préféré même, je crois. Ouais, ouais. Sportback, c'est carré. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a des voitures. HK, c'est laquelle la tienne, là? Moi, c'est les deux, là. Mais il y en a une, je lui ai prêté. Ah, c'est ça, en fait. Ouais. Il est où, lui, hein? Il a des sous, hein? Non, je lui ai prêté vite fait. Comme ça. Parce qu'il devait aller au club être d'Adjou. Ça veut dire qu'il a conduit jusqu'à là-bas. Tu sais que je l'ai déjà saigné au moins 10 fois, je te le dis comme ça. Ah t'es obligé, non, 10 fois. Celui-là qui aime le son, il dit l'écouter une fois, c'est un menteur. C'est que la mélodie. Déjà Manu Dibango je l'avais, hein. Ouais, bah oui. Mais t'es quoi, il dit ça Manu Dibango, il manque le capitaine, non? Moi je l'ai fait sans faire exprès. Ah ouais. Dans Vivor, voilà. Ouais, là t'as tué. Nous on parle que sur FIFA. Ça c'est vrai les gars, il dort jamais, frère. Je vois 5h du mat, qui veut jouer? Ouais, la nuit c'est mort, nous, c'est... On est décalé depuis. Voilà, à cause du studio clip, ça y est, on est décalé, on dort plus. Je vais demander du coup qui est le meilleur à FIFA. C'est lui. Moi pas, moi jamais. Je parle pas de moi. Il faut jamais dire que c'est Béné, il est dégueulasse, frère. Il ment de ouf, lui. Pourquoi il parle comment il... Et au football, les gars. Ah, au foot, c'est lui. Son enfance, il a fait du foot. C'est vrai? Ouais, bah oui. À la Courneuve, Drancy? Bourget, Drancy. Ouais, elle a fait Bourget, Drancy. Ah ouais, donc tu connais ça. Ouais, connaît, t'as sa carte Panini, toi? Je connais. Ramène les pas. Hop, les petits autocollants. Ah, t'as une dinguerie. Ah, voilà, t'as une Panini. Voilà. Je viens d'avoir de l'argent, quand même. Ah ouais, ouais. Là, je suis en train de faire une BPL. Il est nul, frérot. Pas ouf. T'es sur foot? T'es sur foot un peu? Ouais, bah oui. Tu connais. HK, il vient de recevoir le 21. Il a remercié eSport. Bah oui, eSport France, merci à vous. Encore une fois. Vous offert. Très important. T'es sur foot un peu? Bah oui. Vas-y, on joue. Vas-y, moi je suis là. T'es sur quoi? Tu pars sur une première ligue? Ouais, première ligue au début, tu connais, toujours. Toujours? Oh, bah oui. T'as déjà des petits joueurs là? Bah oui, tu connais. Jamie Vardy, Gareth Bale, en plus il vient d'arriver. Il vient de retourner à Tottenham. Excellent. Voilà, tu connais. Thiago Silva aussi. Ouais, Thiago Silva. Jamie Vardy, numéro 9. À cap et... T'as des trucs? Tu veux qu'on parle football? Non. HK Lapaille, numéro 7. Ah, numéro 7, c'est ceux qui bombardent, hein. Moi, tu connais. Là, je vois que Jeffy, il est bien aussi. Hein. Ouais, est-ce que t'as un petit... Qu'est-ce qui se passe, Jeffy? Bon, en fait. Non, je regarde ici, j'avais cassé le capot. Tu sais que c'est ma voiture. Hein. Ouais, c'est ma voiture. Elle est bien. Je t'ai coincé de... Ouais, de faire... Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Tu veux voir l'intérieur? Vas-y, mais je crois qu'elle est fermée, frérot. Ah non, c'est ouvert. Ah, elle est ouverte. Il fallait, vas-y. T'as vu, là, ton petit siège, t'as vu? T'as vu, je les ai mis en recuit, en recuit à vie. Ça, c'est le casse-marre. J'ai mis un petit néon, t'as vu? Non, comme ça, bien. C'est bien éclairé bleu. T'as vu, là, j'ai pas mis la clé, mais t'inquiète, elle est dans ma chapeau. T'es chelou, la clé, elle est là. Et là, il y a un petit compteur, quand je bombarde sur l'autoroute, 260, il y a écrit sur là. C'est bon, la visite, sinon, faut payer le reste, ça y est. Il n'y a plus pour vous. Il a dit 260. À un moment donné, je pense que c'est le moment de partir. Thomas, mais non, frère, c'est toi, mon gars, ma gueule. Connais, voilà. Repasse ce que tu veux, n'importe quel clip. Revenez quand vous voulez, n'importe quel clip, voilà, venez. Ça va être un plaisir, voilà. Ouais. Prototop, vie d'artiste. Ah, c'est sa réédition, hein. Vous connaissez Prototop, vie d'artiste. Bien sûr, le son avec Cornette, il arrive. C'est léger. Merci à vous. Sportback, bien disponible. Thanks.